Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021 Lille Olympique Lyonnais. Sur ce, bon visionnage. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Ok, c'est parti. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous? Et si on choisit un défenseur pour changer? Et pourquoi pas Jérôme Boateng? Je trouve que c'est l'un des meilleurs défenseurs du moment. Il est très fiable dans l'axe. Il frappe et ça fait but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Kane, qui en est déjà à 7 buts en championnat cette saison. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. L'Olympique Lyonnais qui peut avancer. Allez. Lacazette va avoir besoin de soutien là. Dans la surface, ça manque un peu de précision. Lille est actuellement la meilleure attaque du championnat. Quelle efficacité! Jolie accélération sur l'aile droite. Bien joué ça. Bien servi. Waro. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Ouh, quelle occasion! Reine Adélaïde, l'Olympique Lyonnais qui marche sur l'eau en ce moment. Ça doit faire 5 matchs qu'aucune défense ne leur a résisté pendant 90 minutes. En profondeur pour Lacazette. Le jeu repart vers la droite. Oh, quel geste! Là, il peut centrer. Le soutien derrière lui. Ounas. Il n'a pas hésité à tacler. Oh, le bon tacle glissé. Oh, le cadeau. Le duel avec le gardien. Lille qui récupère ce ballon. Ça joue à gauche.
C'est bien ce qu'il fait là. Et ce ballon devant le but. Elle continue sa course. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Attention, coup franc dangereux à suivre. Et évidemment, c'est carton jaune. Il conteste le carton, mais pas sûr que ça serve à grand chose. Ounas, il va chercher un coéquipier dans la surface. Ça paraît plus simple. Alors, voyons ce qu'il va nous faire sur ce coup franc. Et le gardien peut se saisir de ce ballon. Dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Pas de hors-jeu, il y va! Et le ballon continue de lui coller au pied. Attention, la frappe! Il est allé au bout de son action. Bien joué! Quelle inspiration! Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial! Des deux points. Reine Adélaïde qui veut se projeter. C'est joué dans l'espace. Il est bien placé. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a sans doute un peu trop temporisé. C'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il est passé, c'est pas fini. Et c'est intercepté. Dans l'axe. Et c'est dégagé. Il a tenté, bien joué. Et le centre, bien placé. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Il allonge vers l'avant. Lacazette qui a un peu d'espace. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il va au duel. Il a trébuché sur cette intervention. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Et ils essaient de repartir de derrière. Cette possession un peu stérile. Lille qui mène toujours 1-0 et réussit pour l'instant l'exploit de ne pas avoir concédé le moindre tir. La mi-temps approche et ils défendent bien leur but d'avance. Je crois qu'ils n'ont pas encore concédé le moindre tir. Le centre. Oh, il y a danger. Oaro. Embray maintenant. Ça passera sur le côté. C'est bien fait. Il est en bonne position pour centrer. Waro. Et le cadre se dérobe largement. Jérôme Boateng. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Lille qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment.
Et le coup d'envoi de cette seconde période. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Le ballon sort du terrain. La touche à venir. Pour Ounas. Ce sera un coup franc. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Bien, bonne intervention. L'Olympique lyonnais qui s'est imposé lors de la dernière journée en grande partie grâce à son entraîneur. Et oui, il n'a pas hésité à prendre des risques pour aller chercher la victoire. Remplacer un défenseur par un attaquant de pointe, fallait oser quand même. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, voici Kane. C'est reparti, ils peuvent contrer. L'Olympique lyonnais peut enfin respirer après ce coup de chaud. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Kane ! Oh, mais quelle parade ! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Allez, essayez d'être précis, touchez un coéquipier. C'est parti ! C'était presque au fond ! Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Long ballon dans le sens du jeu. Lille qui mène d'un petit but. Allez, il faut faire plus pour se mettre un peu à l'abri. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Ça bouge côté gauche. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Ils espèrent tenir cette courte avance jusqu'au bout. Embré maintenant. Kane ! La parade, superbe ! Oh, le gardien est là, la classe ! Et voilà une façon de faire briller le gardien. En retrait pour repartir proprement. Pour Reine Adélaïde. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène Benzema. C'est repoussé. Oh, c'est un arrêt important, ça. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Waro. L'Olympique lyonnais a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Oui, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe, là. On peut frapper, là. C'est au fond des filets. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Non, mais qu'est-ce qu'ils font, là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas, moi, mais faites-vous des antisèches, les gars.
Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Ça part de l'autre côté. Changement d'aile. Reine Adélaïde. Il peut tirer, il prend sa chance. Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer des occasions comme celle-là. Ils ont encore pas mal de retard à combler quand même. Voilà un marquage très agressif. Oui, bah il a déjà fait le coup de passer dans le dos. Alors forcément, il se méfie maintenant. Voici André. Il ne résiste pas au contact. Gomez! Aucun danger pour le gardien. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix! Il restait sur une belle série, 3 victoires consécutives quand même, mais ça va être difficile visiblement d'en enchaîner une quatrième aujourd'hui. Faute, c'est indiscutable. Il relance côté droit. Et il cède sous la pression. Taliafico. José Fonte. Cabella. Oh, voici Kane. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Le ballon dans la profondeur. Zonzi. Cabella. Gomez. Ça sprint côté gauche. Et la touche maintenant. L'arbitre siffle, le match est terminé, ils s'imposent et peuvent fêter ce magnifique succès avec leurs supporters. Le talent fait toujours la différence, que c'est bon d'en avoir une nouvelle preuve aujourd'hui. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? Ils n'ont pas fait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite, à bientôt. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.